donc je me suis cassé le genou ici l'année dernière. J'ai repris il y a 2 mois et demi. Et je devais reprendre assez cool pour retrouver mes marques et tout. Et en fait, il s'est trouvé qu'il y avait une place au Texas. Donc j'étais avec Thomas aux US. Et il a fallu assurer tant bien que mal. J'étais un peu à l'arrêt en point de vue niveau, mais ça l'a fait, c'était cool. Maintenant, je commence à retrouver un bon niveau. Et voilà, maintenant, c'est que du bonheur, c'est reparti. Ouais, bah c'est la bagarre, le contest, c'est pas Madrid, c'est pas du tour, c'est Charles et Thomas. Non, mais du training, il en faut, mais après, pour pousser les figures, pour que ça soit vraiment en extension, faut être sur les événements avec les autres pilotes, en fait, parce que chez soi, on a beau travailler, on pousse vraiment les figures que sur les événements, parce que c'est l'adrénaline, parce qu'on est 2 fois plus concentré, parce que il faut faire un mixte, en fait. Du training, il en faut vachement, puis il faut faire quelques événements, pour pouvoir voir ce qu'on voit aussi par rapport aux autres. C'est ce qui est intéressant, c'est justement faire le tour du monde, c'est vraiment génial. Mais ouais, grave, parce que l'année dernière, on avait à peu près le même niveau. Moi, à la fin, je trimais un peu avec mon genou pété, mais bon, ça se tenait. Et après, là, pendant les 6 mois où j'ai pas roulé, il a fait que progresser, il m'a fait halluciner, il a pris confiance en lui. Même à côté de la moto, il est vachement plus ouvert, il a confiance, il va parler, il va ouvrir sa gueule s'il y a un problème. Il a vachement changé et tous ses tricks sont vachement aboutis. Le cliffhanger flip, rares sont ceux qui le mettent comme ça. Les flips, art attack, il en met comme moi, j'essaie de mettre des art attack simples, il est long flip. Hein, c'est... Non, il a vachement progressé et maintenant ça a moins de revenir, mais pff, l'enculé, il y a du boulot. On se copie un petit peu, mais après on repart chacun sur son style. Comme à la base, par exemple, nous on aime bien le style d'André ou d'Ego, Sato. Donc on pique un peu leurs tricks, mais après on va un peu les modifier et les faire à notre sauce. Donc Thomas, moi je vais essayer de lui gratter par exemple un tricks et puis il va être modifié. Ce qui fait que moi je vais faire rouleur flip et lui il s'est dit vas-y, faut que je fasse autre chose. Et il le fait déjà. Il fait rouleur en indie avec la tête. Donc même si on essaye de se copier, bah, malgré tout on a notre touche perso. Quoi. C'est ce qui est cool aussi, faut pas faire de la copie sinon c'est pourri. Je sais pas, ça m'a fait kiffer hier les rouleurs flip, c'était rigolo, tu jettes la moto, c'est pas super technique franchement, ça a de la gueule, ça fait plaisir aux gens, c'est rigolo. Toi les gens préfèrent se faire un truc de ouf comme ça qui a de la gueule, qu'un truc super technique et qui va être jugé un peu à l'arrache, donc autant faire des trucs qui ont de l'amplitude et qui plaisent aux gens, ça me fait bien marrer. Et sinon, c'est vrai que depuis, je suis la 3e fois, je bosse le grab et ça commence à venir, pourquoi pas le mettre ce soir, on verra. Ah bah ouais, complètement, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, je pense que... Non, c'est mortel, attends, le mec il arrive, il disait que la RSF était un peu trop raide pour lui, enfin, il s'en battait les... Enfin, il a été quoi, il a vu... Non, tout le monde va essayer, on va se lancer. Le truc c'est de pouvoir bosser sur ce style d'obstacle à la maison, chez soi. C'est un quarter, faut en avoir un sur la terre, un à côté de la mousse. Enfin, c'est pareil, c'est toujours de l'investissement en plus, mais c'est sûr qu'il va y avoir plein de trucs à faire avec ça, plein de trucs. C'est le début. Ça veut dire un état d'esprit, ça veut dire un truc vachement extrême entre les sports, le jet, les meufs, c'est un truc vachement ouvert à tout le monde et pas trop plus jeune parce que c'est dangereux. Ils peuvent attraper des saloperies, mais sinon c'est cool, c'est marrant.